Bonjour, c'est Véronique. Nous sommes lundi. Qui dit lundi dit fleur de la semaine. Juillet est maintenant déjà bien entamé. Quelle est la fleur qui va nous accompagner pour cette deuxième semaine de vacances? Alors, voyons voir. Verveine est la fleur qui va servir de fil rouge à cette semaine. Regardez-la. Voilà, entrez dans l'énergie de verveine. Verveine, c'est la fleur que j'appelle la fleur des Don Quichotte. Les personnes qui sont en état de besoin de verveine, elles ont en fait un grand sens de la justice, elles défendent des causes, elles se bagarrent. Donc la justice, pour elles, c'est quelque chose de vraiment très très important. Donc c'est des personnes qui, quand elles sont en bonne harmonie de besoin de verveine, peuvent vraiment devenir des défenseurs de causes et vraiment des gens très impliqués. Le problème, c'est que quand il y a disharmonie au niveau de verveine, eh bien, ça va devenir des gens vraiment à la limite de l'intransigeance, de l'intolérance. Et donc, ils vont devenir fatigants à force de fanatisme, de vouloir convaincre la terre entière. Donc, quelqu'un qui a verveine vraiment en état très positif dans son comportement va devenir un leader inspirant, un professeur passionnant. Il paraît que quand je parle de fleur de Bac, je suis très verveine. C'est pour vous donner un peu l'idée. Par contre, si verveine est en disharmonie chez moi, je vais vouloir convaincre la terre entière envers et contre tout des bienfaits de fleur de Bac. Que quand verveine est en état de bel équilibre et d'harmonie chez moi, je vous en parle avec passion, mais sans vouloir vous convaincre à tout prix. Et j'accueille que, ben voilà, mon message fait le chemin, qu'il est juste et bon qu'il fasse. Donc voilà, c'est le message de Verveine pour toute cette semaine. C'est je diffuse autour de moi, mais avec vraiment tolérance et patience. Et si je ressens de l'injustice, je fais un pas en arrière et je me dis, ok, est-ce que c'est vraiment juste, injuste? Est-ce que cette cause vaut la peine que je m'énerve et que je m'investisse? Oui, non, mais alors avec mesure et modération. Voilà, c'est vraiment le message de Verveine pour toute cette semaine. C'est OK, on y va, mais sans rigidité, avec souplesse, et arrivera ce qu'il est juste qui arrive. Si vous aimez les fleurs, si vous avez envie d'en savoir plus à leur sujet, voire d'entamer un accompagnement avec moi, je vous invite à prendre contact en suivant le lien qui s'affiche ci-dessous. À très bientôt, belle journée, belle semaine. Prenez soin de vous. Au revoir.